Vous l'avez vue récemment dans Into the Night sur Netflix. Elle a remporté un Ensor pour Wasteland. Vous la verrez bientôt dans Dalva. Rendez-vous aujourd'hui avec la comédienne, autrice et réalisatrice Babette Dasadjo. Cinémax. Bonjour Babette Da. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait ici aujourd'hui ? On est ici, à la mer du Nord, parce que c'est ici que j'ai reçu le prix de la meilleure actrice pour Wasteland, là, au casino de Ostende. Et parce qu'aussi j'aime l'eau. Et puis l'eau, ça symbolise les émotions. Et le cinéma, c'est les émotions. Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous ayez vu ? C'est Les yeux bleus de Yonta. Mes voisins avaient la télévision, moi je n'en avais pas parce que voilà, on était très très pauvres. Et j'ai regardé tout le film à travers deux stores comme ça parce que je n'osais pas aller dans la véranda du voisin. Voilà, ça c'était la première fois que j'ai rencontré le cinéma et je l'ai adoré. Quel est le premier film que vous ayez adoré ? La couleur pourpre, ça raconte l'histoire de cette femme qui est enceinte de son père. Mais avant tout, ça dépeint la condition de vie des Noirs américains dans les années 1900. Quels étaient vos films d'ado préférés ? Braveheart et Légende d'automne. Est-ce qu'il y a un film ou une scène de film qui hante vos rêves ? Oui, L'Empire des Sens. Il y a cette scène qui est juste hallucinante. Je pense qu'elle est à califourchon sur son homme et elle lui coupe le pénis qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Ça m'a totalement hantée, cette scène. Quels sont vos acteurs et vos actrices préférés ? C'est Viola Davis. C'est une actrice que j'admire. Et évidemment, Denzel Washington. Quelle est votre scène d'amour préférée ? C'est dans Monster Ball, avec Halle Berry. Une scène d'amour, mais osée, où on voyait ses fesses, on voyait ses seins. Elle était sublime. Je l'ai regardée, re-regardée. Et quel est votre prochain film ? Je pars là, vers la Guinée-Bissau, où je vais continuer l'écriture de mon premier long-métrage. J'adore cette sensation. Cinébox.